Elle traverse une fenêtre, raie de lumière à l'eau de beauté. Parée au bazin et mes yeux ont un point de côté. Dans ses sabots, les ongles vernissent les orteils. La mannequin ne marche pas comme le commun des modèles. Légère sur l'asphalte, la chair envoûtante. Tellement naturelle qu'elle en devient polluante. Je sors de mon échoppe avant qu'elle ne m'échappe. Derrière elle, je prends des notes. Sur les tresses qui la nattent, je la suis indiscret et déjà vorace. Au carrefour, elle s'arrête à une terrasse. Je passe devant sa table, une soucoupe, une tasse. Un livre et une petite cuillère qui fait la préface de sa bouche. Lèvres libuses et inégales. La petite cuillère me nargue et se régale. Alors je m'assieds et la belle pose l'ustensile. Tranquille, son regard me mutile. Je baisse les cils et lui propose un sucre dans son mafé. Elle me répond qu'elle met pas de riz dans son café. Je souris pour effacer le blanc. Elle m'ignore pour combler l'instant. Je suis toujours là, mais je pense à m'enfuir. Deux, trois minutes qu'elle s'est remise à lire. Un fantôme, c'est comme si je n'étais pas là. Je pourrais lui dire ce qu'elle m'inspire, elle ne me croirait pas. Heureusement, le garçon du bar vient me servir d'offrande. Pour séduire, je mise sur deux jus de mangue. À commande partie, j'en profite et demande à la belle si son cœur est à prendre. Et la belle me rétorque le nez dans son recueil de nouvelles. Commencez par savoir comment je m'appelle. 2-0, balle au centre. Je suis affamé d'une femme qui m'éventre. Les jus sont posés, elle boit sans vergogne. Je m'attarde sur ses mains et mes envies s'additionnent. Je parle sans savoir. Lui raconte que je fermerais boutique si je ne pouvais la voir. Qu'elle excite les chakras de chacun de mes sens. Qu'elle me replonge dans les émois de mon adolescence. Que sans nous connaître, tous les jours à l'ouverture, j'ai l'impression que nous sommes déjà en aventure. Troublé par l'épilogue de ce recueil de nouvelles, par l'histoire d'un libraire et d'une femme saveur cannelle, je me remets de ma lecture. Je l'avoue un peu déçu par ce livre au titre ambigu mélangeant lait, café, sucre. Perdu dans mes songes, assis sur un banc public. Après-midi, soleil bleu ciel, sur une brise un peu pudique. Quand tout à coup, comme un éclair, jouant d'un turbulent silence, me voilà chaviré par l'onde des effluves d'une fragrance. Elle est là, elle, solennelle, sauvagerie d'épinal. Cette femme arpégeant comme une orgue dans mon cœur cathédrale. Je la suis, indécise, ma lascive et ma cible à une terrasse. Elle s'assigne et je la sens mal assise. J'aurais voulu lui parler, mais déjà je m'enfuis. Mon courage à demain, car trop timide aujourd'hui. Mais en quittant la terrasse, je suis saisi par le bras. Je me retourne à ma surprise, il s'agit du garçon du bar. Il me dit que le client doit payer ce qu'il consomme. Je lui rétorque scandalisé qu'il y a erreur sur la personne. Agacé à son tour, il me tend sèchement la commande. Je saisis donc l'addition qui indique de jus de mangue.